Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter d'un petit outil pratique et vraiment pas cher qui est l'équerre de traçage Wallcraft. Cette petite équerre coûte 5,50€ sur internet ou en grande surface de bricolage. Comme on peut le voir, vous avez une règle qui va de 0 à 15 cm et de 0 à 6 cm. Avec des repères de traçage qui partent de 0 jusqu'à 10 mm, de 10 mm à 20 et ainsi de suite, de 50 à 55 mm. Ça, c'est tout simple. C'est quand vous avez une mesure à prendre, vous mettez votre équerre en place. Vous choisissez, si vous voulez par exemple, allez, 20 mm. Vous faites un trait. Si vous voulez 40, 25 mm, vous pouvez faire un autre trait. Attends. Si vous voulez 25 mm, vous pouvez faire un autre trait. Si vous avez 33 mm, par exemple, c'est vraiment très pratique. Vous n'avez pas besoin de vous embêter avec le mètre où les premières distances sont jamais très très lisibles. C'est vraiment très pratique. Également, il vous permet de faire des mesures angulaires. Donc de 10 degrés jusqu'à 80 degrés, puisque 90 degrés, c'est la fin de l'équerre. Donc tout simplement, vous mettez votre équerre en place, vous prenez votre angle, 45 degrés, et vous avez juste à reporter ou avec l'outil ou avec l'équerre. Si vous voulez un angle de, de 30 degrés, voilà, j'ai bougé un petit peu, même principe. Et tout ça avec un seul outil, donc vraiment très très pratique. On a également de l'autre côté la possibilité, de l'autre côté on a la même chose, donc on a les angles aussi, et la possibilité de les reporter, si on le voit, donc de 0 jusqu'à 75 degrés. Donc si vous avez une distance plus grande à faire, allez, par exemple 60 degrés, on peut aller le reporter à 60 ici. Voilà, et on fait un angle à 60 degrés de l'autre côté. Également, qui est pas mal, c'est quand on fait dans du meuble des fois, qu'on a des tourillons, qu'on ne sait pas la taille choisir, vous avez des trous de pré-percés, donc qui vont de 2 mm à 10 mm. Si vous avez un tourillon de meuble que vous n'avez pas la taille que c'est, vous essayez. On voit que là c'est du 8 mm. Ça marche également pour les forêts, enfin à la base c'est fait pour les forêts, mais ça vous est pas mal pratique. Également, on a une distance qui va de 0 à 45 mm au niveau des tracés. Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour aussi, pas mal aussi, assez pratique. Si vous avez un tube à tracer, vous avez juste à présenter votre tube. C'est quand même mieux que ne pas avoir. Et également, si vous voulez faire une coupe à 45 degrés sur un tube, vous avez possibilité aussi. Ça va vraiment pas mal. Et pour le prix, ça évite d'avoir 50 choses et on a des mesures vraiment très précises. Hein. Alors, l'angle ici n'est pas toujours parfait. Mais bon, c'est pas le but d'avoir une équerre à ce niveau-là, c'est juste fait pour prendre appui. Donc même si on a un angle qui est légèrement plus ouvert, c'est pas gênant du tout. J'en profite pour vous parler d'outils pas chers, pour vous présenter ce petit pointeau automatique donc, que j'ai commandé sur AliExpress pour 2€, je crois, quelque chose comme ça, qui est livré avec deux pointeaux de rechange et qui est vraiment très très bien. Aussi bien, je sais pas si on le voit, sur du bois, je sais pas si on le voit, si on le voit, qui est vraiment très très bien, que ce soit sur du bois, sur de l'acier,
Bien. Sur de l'acier, sur du carré plein. C'est vraiment super pratique, hein. Ça évite d'aller chercher un marteau, d'aller chercher un pointeau. Et pour le prix également, il est arrivé en moins de 15 jours. C'est vrai que c'est très pratique. Et puis livré avec deux embouts de rechange en plus. C'est vraiment une super affaire. Voilà, c'était ma présentation de deux petits outils très pratiques et vraiment pas chers et qui peuvent bien vous dépanner si vous bricolez un peu. Donc, comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, petit like et abonnez-vous pour soutenir ma chaîne. Merci.